La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République Centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugabiza, a reçu les honneurs militaires des femmes et hommes du bataillon rwandais et de l'unité de police constituée égyptienne le 18 avril 2022 au quartier général de la MINUSCA. La cérémonie a été marquée par la présence du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Sidiki Daniel Traoré, le chef de la composante police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungu, ainsi que des deux représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Kulutyi et Denise Brand. Cette cérémonie symbolise la prise de service de la nouvelle chef de la MINUSCA en République centrafricaine. Rappelons qu'elle a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le 23 février 2022.